Bonjour les Maxi Gourmands, on va jouer aujourd'hui au jeu de gâteau au chocolat. Pour ceux qui aiment faire des gâteaux, ce jeu est totalement gratuit et permet de faire beaucoup de gâteaux. Donc en premier, il nous faut de la délicieuse farine. Donc on y va. On met la farine dans le récipient. Mais qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Je me demande si on mettait un petit peu de sucre. Allons-y, on va mettre un petit bol de sucre. Surtout faites attention aux quantités. Et maintenant un petit peu de sel également. Un petit peu de sel. Voilà, c'est salé. Ah, ça va piquer un petit peu. Mais pas trop, sinon ce sera pas bon. Maintenant, il nous faut de la poudre de chocolat, choco-cacao, et du baking powder. Je pense que c'est de la levure. Mais oui, baking. Alors, je parle anglais un petit peu. Je pense que c'est de la levure. Vous demanderez à vos parents. Donc là, on mélange le tout. On fait la petite mixture pour ce délicieux gâteau au chocolat. Waouh, on dirait du Nesquik. Ça a l'air trop bon. On continue. Waouh, on a réussi à avoir une mixture uniforme. Maintenant, on va mettre de l'huile de noix de coco. Bah, je savais pas. On met du sirop de miel. Du bon sirop. Ouais, un petit peu de miel. Bah, pareil, je savais pas qu'il y avait du miel dans le gâteau au chocolat. Et par contre, du lait. Ça, je savais, il fallait mettre du lait. Pour faire des gâteaux dans la petite mixture. Donc maintenant on va touiller. Allez, on touille avec une touillette. Hop, c'est parti, on va mixer le tout comme David Guetta. Et là c'est pareil, waouh, on a une belle mixture, on dirait la planète Mars. Donc on continue de mélanger. Waouh, regardez, ça a l'air trop appétissant les amis. Cette chocolaterie est délicieuse. Donc on verse la préparation dans le moule à gâteau. Miam miam. Ça a l'air trop bon, mais c'est pas pour le manger maintenant. Il faut bien sûr le mettre au four. S'il y a beaucoup de mixture, vous pouvez faire deux plats. Voilà, ça c'est la petite astuce cuisine. Donc là on peut faire deux plats et on va les mettre au four. Hop. Donc là attends, les gâteaux en général, c'est combien de degrés? 230, on va mettre 180 degrés. On va tourner à 180. Hop. Minuterie, 30 minutes. Et donc là, c'est des Fahrenheit. Donc en fait, ça fait 180 degrés. Faut calculer. Donc là, notre gâteau au chocolat est en train de cuire au four. Pendant ce temps, je sais pas ce qu'on fait. On fait d'un bol de Nesquik. Je sais pas pourquoi le jeu nous fait faire une deuxième mixture. Oh, c'est peut-être pour... Ah mais oui, c'est pour peut-être faire un peu du brownie. C'est la partie toute... Tu sais le truc... c'est bon là, le truc tout mou là, c'est trop bon. Vas-y, on va mixer ça là. C'est quoi ça? Du beurre, du miel. Mais ça va être un gâteau de ouf. Alors on va mélanger ça. Je sais pas du coup à quoi m'attendre. Là, je sais pas du tout ce qu'on va manger. Ça fait une nouvelle mixture au chocolat, toute moelleuse, toute fondante. Et là, attention, là, on s'attend vraiment à une grande surprise. Et là, on va laisser un petit peu reposer les deux préparations. Oh, notre gâteau est enfin prêt à sortir du four. Vous sentez l'odeur? Ça sent délicieusement bon. J'ai hâte de manger. Voilà les amis, pour ce jeu de gâteau au chocolat. J'espère que vous avez été sages. Et que si vous voulez une part de gâteau, mettez-le dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et mettre des pouces bleus. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau jeu de cuisine.